Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo rétro sur PES 2016. Ah ouais, là je cache un peu, mais c'est PES 2016 les mecs. PES 2016 donc qui est sorti, comme son nom l'indique, en 2015, forcément, hein, en novembre 2015. Et qui avait sur la jaquette Neymar à l'époque. Voilà, le beau Neymar. Il y avait eu également au cours de l'année une version Euro 2016 qui n'apportait rien d'autre qu'un mode Euro 2016. D'ailleurs, ça avait été vachement critiqué. C'était complètement éclaté, etc. Donc, on va voir ce que donne le jeu. Et surtout, on va essayer d'aller voir qu'est-ce qu'il y avait dans le mode My Club. Et puis, si on peut se faire un tout petit opening et puis un petit match, ce sera pas mal. Alors, déjà, les menus... Ouais, d'accord, bon... avec le petit Neuer là sur le côté. Par contre, j'ai l'impression que c'est mieux que PES 2019 là, les amis. Je sais pas, je trouve ça plus beau. Plus clair, plus... Bon, on se rappelle, vous voyez, ils avaient l'Euro 2016, ils avaient la Liga, la Ligue 1, l'Europa League, la Champions League, la Copa Libertadores. Bon, il y avait plus de contenu. Hein. On va aller voir le My Club tout de suite. Ah, apparemment les serveurs ont été fermés. Bon, bah, on fera pas de My Club. J'ai demandé à Shems et à Hidekun, du coup, ce qu'ils pensaient de PES 2016. Parce que moi, forcément, j'y avais pas joué. Alors, ils m'ont dit quoi? Ignoble, assistance incroyablement élevée. Centre-tête, Bayern cheaté au max, problème de serveur, pire PES de ces dernières années. D'accord. Ok. On va l'essayer quand même. On va l'essayer. Allez, on va faire une petite Ligue des Champions. On va faire un petit match, on va voir ce que ça donne, histoire de voir le gameplay. Bon, du coup, on peut pas jouer en ligne. Je suis déçu. Bon, après, c'est vrai que le jeu, il a quand même un peu plus de 3 ans. Mais c'est dommage. Bon, alors, on regarde déjà les Ligue 1, Ah, Bayern, il est là. Le Bayern, Munich. Les poules, on s'en fout. Attends, on va essayer de se mettre... Alors là, on a North London, c'est Arsenal. On va essayer de se mettre des belles équipes. On va essayer de se mettre le Real. Et on va essayer de se mettre le PSG. Pour voir un petit peu... Ça donnait quoi le PSG à l'époque, etc. On ira peut-être voir après, mode coop. Non, on va tenter vite fait un petit match, hein, vite fait. Après, on ira un peu voir les équipes, ce qu'elles donnaient à l'époque. Ça va nous rappeler des souvenirs. Kimmich, il est en MDF, d'accord. Ah, il y avait Benatia aussi. Ah ouais, vas-y, on va mettre Benatia, Robben, Coman, qui avait 78 à l'époque. On va mettre Franck, hein. Ouais, Franck 89. On va mettre Götze. À la place de Costa devant Lewandowski, ils avaient quand même une équipe. Alors apparemment, c'était vraiment une équipe de porc. Hein. Thiago, il avait 88. Ah ouais, il y avait Xavi Alonso. Lam qui jouait en milieu défensif. Attends, on n'a pas regardé Arsenal, il y avait qui? Welbeck, Ozil, Alexis Sanchez, Chamberlain, Elneny, Arteta, Koscielny, Mertesacker, Bellerin, Gibbs, Petrosic. Ça n'avait pas énormément changé. Il y avait Flamini également, Giroud. Enfin, 85 Giroud, il avait une belle note. Hein. Il avait une belle note. Allez, coup d'envoi les mecs. On va voir ce que ça donne au niveau gameplay. Donc apparemment, tu pouvais faire des L1 triangle, mais du gardien jusqu'à ton attaquant. Il y avait donc les centre-têtes, on m'a dit. Et apparemment, c'était assisté à mort. Limite, on pouvait jouer avec les pieds, hein, les yeux fermés. Ah franchement, il est déjà... Déjà, c'est magnifique le scoreboard. Ah, c'est rapide. Hein. Oh, putain, on dirait du FIFA. Pas mal, hein, Gibbs. Hein. Kieron Gibbs qui est bien fait, hein, franchement. Ah, ils ont toujours été bons, je trouve, dans les visages. Neuer. J'aimerais bien mettre la main sur le... Enfin, le pied plutôt sur le ballon. Ah, et justement. Lame. Oh, Lewandowski. Pour trouver la faille dans la défense. Oh, Lewandowski. C'est bien fait ça. Oh, le petit ballon. C'était pas pour lui. Pouf. Oh bon bah. Voilà, c'est... Ah oh, franchement, il est super bien fait. On dirait PES 2019, il a 3 ans. Franchement, Robben, regardez les mecs, Ozil et tout.
Ah, c'est ouf. Bon, bah, franchement, c'est vrai que les... la passe, elle est pas du tout. Ouais. Ok, c'était. Bon, c'était. En fait, je voulais la faire à Lewandowski, il l'a fait automatiquement à Robben. Bon, ok. Bon, en même temps, j'ai marqué du coup. Hein. Alors, les contrôles qui sont un peu longs. Ouais, là, les contrôles, ils sont. C'est ouf comme ils sont longs. Ah ouais, les passes, elles sont téléguidées. Et j'oriente pas du tout à cet endroit-là, ça fait la. Ça lui fait la passe dessus. Oh là, il m'a enrhumé. Ah, le Mesut, c'est pas le Mesut de 2019. Ouais, je comprends ce qu'on lui reprochait à l'époque. Hein. C'est vrai que c'est très, très, très assisté. Oh, magnifique. Bad Studer. Oh là, le contrôle. Ah, ils te font des contrôles, on dirait des joueurs de DH. Ah, c'est dommage, j'aurais bien aimé aller voir ce qui se passe en My Club, là. Oh, il m'a enrhumé. Ah, en fait, faut vraiment lâcher l'accélérateur quand tu contrôles. Oh là 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 là. Allez. C'est la première fois que j'y joue, moi, hein. Franchement. Voilà, la vérité, à cette époque-là, je jouais à FIFA. Shame on me. Ah, dites-moi ce que vous en pensez, les mecs. Mais moi, l'habillage, je le trouve sympa, hein, franchement. Oh, le centre, deuxième. Oh là là, j'avais fait le festival. Ah, ça qui sortent bien les gestes, hein, par rapport au 2019. Après, c'est les mêmes. Ce qui est bien, c'est que c'est les mêmes gestuels, les mêmes touches. Hein. Y a pas de surprise. Oh, y'a rien, monsieur l'arbitre. Vous êtes un escroc, vous êtes un vendu. Oula. Ah ouais. Et il a pas de lèvres supérieures. Il est marrant, lui. Ah, il est. Ouais. C'est particulier, comme. Oh, il est trop bien faire, Teta, c'est ouf. Enfin, c'est fou, pardon. Allez, Bad Stuber. Oh là, mais tu t'es. Oh là là, maman. Welbeck avec son beau maillot. Ah, le dégagement, il est. Ah ouais. Ah, c'est. Ah, puis il y a les. Regardez. En dessus, il y a l'espèce de ligne là. Waouh. Ah, ils sont stylés les dégagements. Allez. La tête. Oh là. Il est bourré, Lewandowski ou. Ah, c'est chaud pour récupérer le ballon contre l'ordi. Ah, il m'a mis une profondeur avec Chamberlain. Attention. Oh. Ah, mais. Bien sûr, tout est calculé. Oh, c'est quoi ce contrôle, Xabi Alonso? Oh, t'es sérieux, toi? Oh, il m'a fait un contrôle. On aurait dit rien. En fait, on aurait rien dit. Oh, il y a des espaces qui se créent, bien sûr. Oh, on l'a vu au milieu. Voilà, bien sûr, le passe qui est bien dégueulasse. Ah, super. Attends, je vais essayer de me mettre en gros pressing. Putain, ça a pas changé. Réglage sans ballon, changer de formation sans possession, instruction d'équipe. Pressing attaquant, ah, agressif. Vas-y, on va se mettre super haut. Ah, c'est pas mal ça. Ah, tu pouvais grave customiser. Ah, tu pouvais mettre en défense, en attaque, ok. La longue ouverture sur l'aile. Il est à distance de tir. Oh là là, c'était bien joué. Mais quel talent. Il a le football dans les veines, cette merguez là. Oh là là, mais ils sont bien faits, les joueurs, je trouve. Je sais pas, je... Ce serait marrant de comparer avec un FIFA de l'époque, franchement. Avec le FIFA 16. Oh, ta maman. Oh, mais impose ton style, gamin. Voilà, voilà, voilà. Mais c'est ça qu'on veut. Ah, merde. Thiago. Merde. Excusez-moi. Quand tu te mets à chanter du Kenji Jacques Chirac, c'est que t'es mal. Oh là là, le contre-favorable, bien sûr. Attention, le deuxième, il est tout seul. Oh, bien sûr, le pressing à deux. Ah, il aime pas le double pressing, l'ordi. Oh, je l'avais enrhumé. On joue pas la montre, nous. Non, oui, non, non. Oh là 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 là. Jamais il capte, les gardiens, ou... Oh, super, ça, le ballon est gratté. Oh non, mais c'est quoi cette passe?
Allez, bats-toi, Agathe. Voilà, encore. Encore, gamin. Oui, on l'a vu, Robin. Robin qui va. Le petit geste technique. Mes couilles, le geste technique. Je t'ai dit, geste technique. Encore. Oh la talonnade. Oh, il y a faute. Oh, il y a faute. Oh, attention, le coup franc. C'est bien placé. Ça peut être une frappe. Ah, c'est quoi ça? Et s'ils encaissent un but maintenant? Mais c'est inversé. Trop loin derrière, en termes d'affichage. Encore. Voilà la victoire. La victoire de la merguez, bien sûr. Bah, franchement, c'est vrai que c'est grave assisté, quoi. Après, les gestes techniques, ils sortent beaucoup plus vite. Et attends, on va aller se faire un petit... Attends, on se ferait quoi? On se ferait un Barça-Real ou on se ferait un Paris-Marseille, les amis? Là, le problème, c'est que vu qu'on n'est pas en live, vous pouvez pas voter, tu vois. Mais j'essaye de me dire ce que vous pourriez choisir, tu vois. J'essaye de me mettre dans vos têtes. Vas-y, on va faire un... Alors, attends, Euro 2016, Champions League. Mais c'est excellent, tu pouvais choisir tes... Tu pouvais choisir tes trucs, là. Ah, c'est un match d'Europa League. Entre un Barça-Real. Vas-y. Et il y avait toutes les équipes. Oh là là, maman! Maman! Alors, attends, maillot. Magnifique ça! C'est de toute beauté! Devant, il y avait Suarez, Neymar, Messi. Ah oui! Ah oui, ils avaient comme une équipe de porcasse! Il y avait une équipe de porcasse! Ah, il y avait Arda Turan qui avait 85. Ouais! Il l'avait surchité, Arda Turan. C'était un bon joueur, mais voilà. Voilà. Et là, il y avait qui après? Ok, bon, le reste, voilà. Et eux, ils avaient qui? Benzema, Ronaldo, James Rodriguez, Modric, Kroos, Isco, Marcelo, Ramos, Varane, Carvajal, Keylor Navas, Casemiro, 81, Bale, 90. Oh là 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 là. Bale, 90. Pff, il y avait Ressé, il y avait Pépé encore, 87. Oh là, il y avait une belle carte. Et Danilo, 85, Danilo qui est parti à City. Qui a un petit peu disparu. Le maillot. Fais voir les maillots, il y avait quoi? Était beau le maillot jaune. D'ailleurs, on va jouer avec le maillot jaune. Et le Real, je crois que le maillot, ils avaient. Ouais, ce maillot-là qui était pas ouf. Ah, on va pas... Allez, les amis, on se fait un petit match comme ça. Dites-moi dans les commentaires, vous, sur quel PES vous voudriez que je fasse une vidéo. Ça peut même être des encore plus anciens. Bon, ça va falloir que je trouve comment faire. Et est-ce que vous aviez kiffé, vous, ce PES 2016? Franchement, je vous rappelle, il y avait les licences. Il y avait grave de licences. Hein. Copa Libertadores, Liga, Eurodiv, LFP. Elles avaient le Brésil, l'Espagne, les Pays-Bas. Plus de 400 équipes, etc. Franchement, voilà quoi. Bah toi, gamin! Ah, c'est lui aussi, ça! Oh, la petite roulette! Ah, c'est Lionel. Ah, c'était Darren Tulette à l'époque. Allez, gros pressing, gros pressing. Aujourd'hui, en plus, il peut faire des étincelles. Oh là là, j'en ai marre. Oh, le petit centre. On essaie de sortir propre. Hein. Oh, c'était pas pour lui. Oh là, ils me font peur parce que... Ça me... Mais c'est pas lui. Oh, ça me fait peur parce qu'à chaque fois, t'as l'impression que c'est pas à lui que t'as voulu faire la passe, en fait. Donc ça te surprend. J'ai l'impression que vu qu'il pleut, les joueurs, ils mettent plus de temps à démarrer, à accélérer. Oh! Je sais pas si c'est une idée, mais si c'est vrai, c'est ouf quand même. Parce que j'ai pas l'impression que sur le 19. Je sais pas, j'ai pas jamais ressenti ça sur le 19. Oh lolo, 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 le talent! Le talent, monsieur dame! Ah oui! 3-3. Oh, c'est magnifique les ralentis et tout. Voilà, ouais, tu. La frappe, quand même, le gardien, il va pas la chercher, quoi. Oh, elle est sur lui. Elle est sur lui, la frappe. Le gardien, il fait... Elle est trop forte, j'ai peur. Mais c'est pas pour lui. Ah, il y avait déjà des problèmes de curseur. Oh, il m'a tué, Benzé. Benzé, la frappe. Mais il n'y a pas de gardien dans le jeu, c'est incroyable. Mais les gardiens, ils ont pas de main, ou... Oh, il m'a tué sur le contrôle. Ah, Mascherano, il est parti dormir. Regarde! Oh, arrête, c'est même pas ras du poteau. Ça passe un...
Attends, ça passe à 1 mètre du poteau. Voilà, magnifique. Voilà. T'es mort, voilà, gardien, franchement. Vas-y, bah si on peut tirer du milieu de terrain, y a pas de problème. Ah, ça c'est un grand classique, ils sont encore en train de fêter la vue, et hop, ils se font remonter. Allez, 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 Lionel. Allez, Lionel, allez, mon petit. Oh. Oh, mais Iniesta, j'avais fait le spectacle. Allez, franchement, les roulettes et tout, elles sont 10 fois mieux que sur PS 2019. Vas-y, mais Benzema, c'est... Oh là là, mais c'est pas Benzema, c'est... C'est un Iron Man, c'est qui? Il a le champ libre. Il n'est pas en jeu. Va-t-il en profiter? La frappe. Oh! Ah, les contrôles, ils sont durs, hein. Regarde, là, il fait un contrôle à 4 mètres. Ah, c'est plus qu'un contrôle orienté. Allez, essayez d'être précis, toucher un coéquipier. Attends, on va essayer de faire un bon corner. Ils sont cons, ils ont failli se les mettre... C'est bon, par contre, les ralentis, c'est relou. Dès que tu touches le ballon, il ralentit. En fait, faut vraiment lâcher l'accélérateur. Mais pourquoi tu mets la tête? Oh là 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 là. Mais dis ma bonhomme, Nouna. Compte favorable, allez, bim. Le doublé de lui. Oh là, comment il s'énerve dans les commentaires. Oh, jamais. On revoit l'action, bien sûr. Bien dégueulasse. Le 1-2 qui est loupé. Sergio Ramos qui redonne le ballon à Suarez. Et là, le gardien, bien sûr. Complètement au chou. Hein. Alors, les gardiens, franchement. Parce que là, on est quand même sur, je pense, à peu près les meilleurs gardiens du jeu. Tu vois, à peu près le level. Attends. Oh, oui, j'arrive, chérie, je finis. Ferme pas la porte, ferme la porte, c'est pas grave. Elle m'a niqué ma vidéo, celle-là. Oh, c'est magnifique, regardez ça. Le 1-2, là, le double rond qui marchait déjà. Et au deuxième, Ney qui devance son défenseur. Complètement au chou. Merci, bébé. Voilà, les amis. J'espère que cette petite vidéo sur PES 2016 vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo. N'hésitez pas à le dire, à mettre un gros like. On se retrouve très bientôt en live. Je vous fais des gros bisous. Ciao les amis, c'était Luthor. 3 buts d'avance au tableau d'affichage. C'est reparti. Luis Suarez, ça joue à gauche.